Dis-moi, tonton. Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, fillotte, pas d'histoire. Mais un coup de sang. Telle une maladie du lundi. Quoi ? Maladie du lundi ? Ah. Alors, la maladie du lundi est appelée aussi myoglobinurie ou myosite. Le syndrome du coup de sang, également appelé aussi rhabdomyolyse à l'exercice, se définit comme une maladie musculaire très douloureuse suite à un exercice physique. Elle correspond plus ou moins à des crampes musculaires chez l'homme, intense et généralisée. On lui a aussi donné le nom de maladie du lundi car elle survient généralement à la reprise de l'exercice suite au repos du dimanche. Le coup de sang se manifeste par une crise aiguë, occasionnelle, mais assez fréquemment récidivante chez des animaux prédisposés, forme chronique. Mais fillotte, c'est pas le sujet. D'accord, tonton. Tu me sembles chaudraiseux. Ne brûle pas toutes tes cartouches d'un coup. Sinon, amis spectateurs, si tu aimes cette vidéo, ou pas d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour n'en rater aucune parution et si le cœur t'en dit, balance un petit commentaire. Allez, trêve de préambule. Générique. Ma fillotte, les médecines dites douces, telles l'homéopathie m'ont toujours fait doucement rigoler. Je ne conteste pas que cela puisse fonctionner, surtout si l'on y croit. Placebo et contextualisation. Sortez de ce corps. Tout d'abord, commençons par une petite présentation de l'artiste. Oups, du médecin. Samuel Hahnemann a obtenu son doctorat en 1779 en Allemagne. Il délaissait souvent sa pratique médicale, parce qu'elle lui coûtait plus qu'elle lui rapportait et le plus souvent n'était payé que d'ingratitude, et parce qu'il ne croyait pas à l'efficacité de la médecine telle que pratiquée à l'époque. La médecine de cette fin de XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle était encore un peu « héroïque ». Petite explication, pour le moindre bobo, c'était encore saignée et purge. Si tu allais voir le barbier, il te taillait la barbe ou t'arrachait trois dents à vif ou t'amputait un membre sans anesthésie, car le barbier était aussi dentiste et chirurgien. Tu vois le mélange détonnant. Alors n'importe quelle nouvelle méthode tuerait moins de malades. Hahnemann développa donc les principes de l'homéopathie à partir de 1796, et les mit en application avec plus ou moins de succès. Il est bien sûr l'auteur de plusieurs ouvrages encore utilisés actuellement, Exposition de la doctrine médicale homéopathique ou Organon de l'art de guérir, Traité des maladies chroniques, leur nature spéciale et leur traitement homéopathique. Voyons maintenant ces principes qui révolutionnent la médecine, ou pas. Reprenons donc les élucubrations de Friedrich Hahnemann énonçant les quatre principes de l'homéopathie. 1. Le principe de similitude. 2. La dilution. 3. La dynamisation. 4. La personnalisation. Je ricane d'avance. Les explications de ces principes sont lunaires et totalement sorties du cerveau fécond de Hahnemann. Et pour se lancer dans le cœur du sujet, je vais attaquer directement par le point 4. Et là, je me gausse. La personnalisation. Je rappelle que théoriquement, chaque traitement est adapté à une seule personne, suivant son tempérament, son cycle lunaire, son signe astrologique, la couleur de ses yeux, s'il est blond ou pas, s'il se considère comme non-binaire ou tout spirit, bref, en consultation, l'interrogatoire dure au moins 20 minutes. Et là, je me pose une question, l'homéopathe parle plusieurs langues animales ou bien ? D'ailleurs, je vois d'ici l'interview de la bestiole, cheval ou vache, pour lui demander si elle supporte les cravates ou si elle préfère le bleu ou le rouge. Et le cheval ? Suit-il les conseils de laisser fondre les granules sous la lampe ? Ou bien ? Parlons maintenant un peu du principe de dynamisation. Notre bon Friedrich aurait remarqué que ses remèdes marchaient mieux quand il les transportait au galop dans ses sacoches de sel. Bon après, il ne précise pas combien de lieues il faut faire au galop pour obtenir le bon secouage ou quelle doit être l'amplitude du galop, sur quel pied doit-on galoper ou si ça marche aussi avec du teult ou du galop désuni. Ni sur quel type de cheval. Etc. Mort de rire. D'ailleurs, le laboratoire Boiron, lui ne pratique pas l'équitation, alors il secoue chaque solution 321 fois par seconde. Pourquoi ? Personne ne sait. Même pas lui. Mais me diras-tu, il manque le principe de similitude et la dilution. C'est encore plus lunaire, je dirais même vénusien.
La similitude, c'est très simple. Si tu remarques que tu as mal au ventre après avoir mangé une tablette de chocolat, la prise de chocolat permettra à un malade du ventre de guérir. Tu vois le truc ? Pour la dilution, là, on touche le pompon. Il y a des centésimales hanmaniennes. Un CH égale une goutte de principe actif dans 99 gouttes d'eau. 2 CH, une goutte d'un CH dans 99 gouttes d'eau, soit une goutte d'origine dans un demi-litre d'eau. 3 CH, une goutte dans 50 litres d'eau. 4 CH, une goutte de produit pour 5000 litres d'eau. 5 CH, une goutte pour 500 mètres cubes d'eau. 9 CH, une goutte pour 50 milliards de mètres cubes d'eau. Soit le contenu du lac Le Mans. À 15 CH, la goutte sera diluée dans un volume équivalent à 50 fois celui de la Terre. À 30 CH, on aura encore et toujours la même goutte d'origine, diluée dans une quantité d'eau équivalente à 50 000 milliards de milliards de milliards de fois le volume de la Terre. Bref, seul un esprit irréversiblement acquis au dogme refusera d'admettre que l'influence d'une goutte diluée dans de telles quantités d'eau, sur un système biologique quelconque, ne peut être que rigoureusement nulle. Ceci ne souffre pas la moindre contestation. Et pour finir sur ce sujet, il y a aussi des dilutions korsakoviennes. Tu mets une goutte dans un litre d'eau, tu vides le tout dans l'évier, ce qui reste sur les bords du récipient est la première dilution, etc. Et ceux qui vont me rétorquer, que c'est naturel, que c'est des plantes. Le naturel n'est pas forcément bon pour la santé, l'amanite phalloïde est bonne, au moins une fois. 2. En homéopathie, il n'y a pas que des solutions à base de plantes. Il y a d'autres matières dont tu ne veux absolument pas connaître la provenance. Genre, plus de syphilitique, etc. Alors, mon analyse primitive, dicte de bon sens paysan, me fait proposer plutôt le scénario suivant. Un cheval est plutôt patraque, mais pas mourant. Maman est inquiète. Très inquiète. Maman appelle son gourou vétérinaire homéopathe. Elle se rassure déjà un peu. Le gourou praticien à court, 50 euros. Observe la bête, 20 euros. Tâte la bête, 20 euros. Prescrit 30 types de médicaments, en liquide, en granules, en pommade, 90 euros. Maman paye la douloureuse, 180 euros. Vu le prix, le véto est très compétent, et donc, maman est plus que rassurée. De plus, maman vient trois fois par jour, soigner son dadou d'amour. Maman est vraiment rassurée et se détend grave. Le dadou, sentant sa maman rassérénée, se détend et retrouve la forme. CQFD. Et comme dadou fait la gueule au box, maman cherche un adepte du feng shui équin. Et si maman veut soigner son addiction à la luzerne, elle fera venir un acupuncteur auriculaire ou un animateur du patriarche. Ah ouais. Quand même, tonton. Tu y vas fort. Bon, je vais quand même y réfléchir. À bientôt.